le dire la même fois. Nous allons dans une autre dimension. Dans les gains taolés, vous ne pouvez pas. Et pour aller dans une autre dimension, il faudrait qu'on change de mentalité. Quelqu'un ne peut pas passer dans une autre dimension avec la mentalité de l'an 2022. Quelqu'un ne peut pas devenir humain avec la dimension, avec la mentalité de petit. C'est pourquoi j'ai un autre de foi. Son audace, sa foi. Et Dieu accueille ces personnes qui agissent avec l'audace et foi. Parce que si nous parlons dans une autre dimension, nous avons besoin de la foi et l'audace. Amen. Dis amen avec moi. Et dans ma passé, dans une boutique, fait les achats. Manda be ou dit que tu n'as pas de choses pour le bébé. Nanda, différentes. Mais on m'avait donné des maps. La vous ne me donnez pas. Comme elle n'est pas parce qu'il n'y a pas dit les autres choses. Et on m'a pas dit que vous m'avez dit. Il a dit, c'est la marque Chico qui est là. Et c'est que moi, c'est Chico, je l'ai. La marque est élevée, c'est ce que moi j'ai vu. Que ça soit en tout, et ensemble, et en tout, que ça soit chico. Et j'ai parlé pour cette partie. Mais quand Dieu connaît mon mentalité, que je n'ai pas de Seigneur. Et là où il a pris une autre arme. Et Dieu a permis de ce que je fais là, que je l'achète. Et pour que souvent on arrive à déclarer cette chose à mon côté. À voir tout le monde avec Dieu. À déclarer tout ça avec Dieu. Si cette année nous quantité dans l'état de 100 000 à 200 000, ou que nous changeons notre langage. Et quand je regarde dans les dictionnaires français, une dimension veut dire quelqu'un qui s'étend. Ça veut dire qu'elle n'a pas commencé l'année parce qu'elle avait une autre taille. Et là, tu dis comme Biowana, en taille comme en grosseur. À Wokolma, Nébima, Bitame, la on dit la grandeur, la dimension de la grandeur. La grosseur. La largeur. La longueur. Et le baisseur. La hauteur et la profondeur. Donc, si cette année, nous devons aller. La Yokan, la Gonsa, la Kengi. Quand on dit aller, ça, c'est la première personne. Il a été king, il est parlé. Et puis, il y a du conseil de médecin de faire parler des choses. Et encore, moi, je dis quand nous voyons son troisième personne du pluriel, mais il a été parlé, il y a un peu de savoir. Il nous pour elle. Il a été un peu de parler. Toi et moi, pour la main, tout l'ensemble des ciels-ci, en commençant par les pasteurs, elles chantent. Ceux qui sont à l'intercession, mais nous avons dans une autre dimension. Alléluia. Parce que une seule personne va aller dans une autre dimension. Si les autres sont en bas, ça fatigue l'église. Et nous avons un test. Jean-Pierre sera la sainte. Et Jean-Pierre à nous. Et nous allons voir le premier secret pour aller dans une autre. Et c'est la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi prendre la Bible. Cette parole est supérieure de cette parole. Jean-Pierre, Jean-Pierre, nous, il dit, t'aimera à moi, restez à moi. Et moi, Jésus, je vais rester en toi. Il dit quand une branche ne peut pas lui seul porter du fruit, s'il n'est pas attaché à le tronc, au tronc. Il dit c'est ainsi où tu retiens toi et moi. Si vous ne demeurez à moi. Si vous ne restez pas à moi, je suis le seul. Il dit je suis le seul, je suis le l'arbre. Vous êtes les serments. Vous êtes les branches de l'arbre. Celui qui est resté à moi, et en qui moi je reste, va porter au porte de parler de dimension en dimension. Il dit, quand sans moi Jésus, vous ne pouvez rien faire. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Que Dieu bénisse les deux personnes qui sont élevées là.
Alléluia. Moi j'ai appris ça à les enfants, à Yama. Quand on lit la parole de Dieu, que ce soit dit que tu viens pour t'aider, on va lire la parole de Dieu. Que ce soit une habitude pour toi. Et si nous ne pouvons pas aller dans une autre dimension sans Jésus, on va aller dans une autre dimension. On a besoin de rester en Jésus. Regarde, quand on chante, on dit tout, mais on n'arrive pas à évoluer. Tout simplement, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. Nous ne sommes pas attachés. Le contenu, le sous-thème que je vais développer, la loi de l'attachement. Même la nature même nous montre cette loi. Les travaux nous montrent cette loi. Et la vie chrétienne nous montre cette loi. Et que cette année est dans le 23, il y a longtemps on a parlé. Il faut que ça soit l'année qu'on se lève pour agir. Il y a longtemps Et puis si on veut que ça apporte de fruits, on fait quoi?
approcher. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est un manque. Si tu fais promesse aujourd'hui, et puis tu laisses un mois, et puis tu viens préparer avant la calige, tu es sûr que tes clients vont vous serrer là. Ils seront là pour t'attendre. Il faut rester attaché à ton placalige. Parce que chaque jour, quand tu viens bien là, tu viens trouver placalige. Demain, tu viens trouver placalige. Après, tu viens trouver placalige. Il faut que cette famille au soleil soit là. Demain là. Mais il va t'accorder aujourd'hui. Il donne une semaine. Tu vas aller là-dedans. Tu vas aller dans notre mansion. C'est comme ça qu'on vit chrétien. On vit dans janvier, décembre. On est chaud, chaud. Où est Satan? Quand on finit de manger la 31, on a fêté, voilà, viens. On a fêté. On dit Satan, il s'est parti se reposer. Et qui soudain la gagne à vous. Donc on s'en rend encore. Voilà, tu as bien trouvé ça. Tu as bien trouvé ça qui est bon. Tu t'as donné janvier jusqu'à novembre. Mais la petite fois, vous avez eu une attente, il était en novembre. Novembre arrive, tu te réveilles pour se mettre. Moi, les sorciers vont commencer à travailler. Il t'a dit que c'est le novembre que sorcier commence à travailler. Il travaille à partir du 1er janvier. Ça y est, son programme, depuis le 1er, il a déjà établi ses états. Il exécute par le mois donné. Donc je dis sans lui là. Je dis à lui là. Ton dernier fait. Ton parti m'a battu. Vous voyez si on passe ça là. Bien, bien. Je vais te détacher, non? Que tu sois ici au nom de Jésus-Christ. Que tu restes attaché à Jésus-Christ. Alléluia. Ah, tu peux pas envoyer plutôt, on va te bénir. Amen. Donc cette année, si on veut aller dans une autre dimension dans le monde des finances. Et vous pouvez donc attaquer une tour autour de nous. On élargit notre temps de prière. Pour que tu sois guéri en prière. Pour que tu dises une prière. Il y a des gens qui sont à l'église, ça fait plus de gens mauvaises. Il ne veut pas prier 30 minutes, il ne veut pas prier 30 minutes, il ne veut pas prier 30 minutes. Comment c'est ma prière quand il y a là-bas? Il y a un homme. Il est mauvaise, ça fait 10 ans. Et à quoi tu voulais 30 minutes non-stop, il ne veut pas. Quand tu commences à descendre, Il y a un peu de temps. Direction en bas de la terre.
Où les semences s'approfondissent. L'angoisse là commence à dormir. Le Dieu est passé à tous les prêcher. Il dit toutes les femmes qui font leur mari ici. Je dis pas comme ça. Tu voulais profiter de moi. Ils n'ont pas été demandés. Pourquoi toi tu es en tant qu'elle est dans l'église avec son. Elle est à l'église avec son mari. Qu'elle a bien envoyé son mari, c'est moi, pasteur, c'est moi, pasteur. Elle est venue devant. Elle passe de la soeur, c'est moi. Elle dit, c'est moi que tu parles. Elle m'a dit, c'est moi. 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 Et puis ton sorcier vient de se trouver au dehors. Amen. C'est par la tête pour qu'on sorte de nos sommeils. Donc vous voyez, on a des problèmes de ça. C'est un chrétien qui n'a pas d'intimité avec Jésus. C'est un chrétien qui n'a pas envie de prière. Il est là aujourd'hui, il est frais, il va venir à l'église, il va sauter. 2 minutes, il va sauter. D'ici demain, il va commencer à chasser. D'ici après demain, il va devenir boire sec. Et Jésus dit, cette personne, avant de jeter au tronc. Mais le tronc, ceux qui sont attachés au tronc, quand vous vous bénéficiez de l'eau du soir dans le tronc, vous attachez à l'église. D'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois. Et comment t'as donné ce fruit? Donc si cette année nous pouvons aller dans une autre dimension, le premier secret que Jésus nous donne, c'est de rester attaché à lui. Il y a un qui est attaché à côté de toi, reste attaché à Jésus. Dans la prière, il va commencer à te parler. Et quand il va te parler, ta vie monte. Il faut que cette année, si elle parle, on a ça. Un enchantant dans tes temps d'intimité, dans tes prières, tu commences à écrire ce que je t'ai dit. Et ça commence de janvier. L'année, ce n'est pas janvier. Tu sens décembre. Il ne faut pas attendre décembre, pardon, on ne va pas nous fatiguer. C'est aujourd'hui. Regarde ta manière de prière. Il faut poudre à l'eau. Prière ne tue pas, je vous assure, juste à tirer la tête. Il n'y a pas aussi qui sont à ceux qui ne peuvent pas prier. Non, c'est faux, tu veux prier à toi. Il y a qui va me amen. On m'a dit qu'il ne faut pas vous séparer. Ils sont un à deux. Amen. Amen. Pourquoi faut lâcher ta prière? La prière fait du firmament. Moi, mon temps de prière, je ne pas prier la journée, c'est la nuit. Chacun son temps de prière dans la maison. Ce qui permet de nous voir la gloire, c'est la prière. C'est la prière qui porte. C'est cette année-là que tu développes. Ton temps de prière. Pour éviter ta foi, que vous soyez capable de vous attraper les mains. Pour lui servir sa papa. Nous devons payer le loyer. On n'a pas grand chose, on a que la prière. Et quand le Seigneur commence à nous donner la révélation, écris, et tu vas voir le 31 décembre, tu sauras comment Dieu t'a fait du bien. Mais si tu n'écris pas, le 31 décembre, tu as dit Dieu, tu m'as pas exaucé, alors Dieu t'a exaucé.
Alléluia. Dieu a sa manière de nous défoncer. Moi, j'ai demandé l'argent à Dieu, une somme. Il dit Seigneur, j'ai besoin de 15 hommes. Et j'ai pensé à prier. Quand j'ai pensé à prier, vous savez, Dieu va te donner 1%, il va te donner à moitié pour que tu gardes. Et vous avez dit, on a accepté d'avancer. Mais le monsieur là, quand il commence à prier, et d'ailleurs, il avait parlé avec Pasteur Cassis. C'est un satanique, On dit loin, je n'ai pas content, il est triste.
Quand tu sors de l'église, tu commences à rire, maintenant tu es ici, tu vas riche. Si tu ne lis pas ta Bible, elle est comme venir t'empoisonner. Tu vas te dire, quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, quand c'est comme ça. Mais quand tu es rempli de la parole de Dieu, la joie te suit. La bénédiction te suit. Pour aller dans une autre dimension, Dieu t'a envoyé Jésus dans une autre dimension. Il n'a pas été élevé. Et tu regardes la vie de l'autre. Mais quand tu lis la Bible, tu vas voir que l'homme est plus sale que l'autre. Alléluia. Donc cette année de l'an 2022, tout nous voulons que Deutéronome 28, elle nous accompagne. Nous devons nous approfondir dans la méditation de la parole. Et pour cette prédication, il y a pour ça qu'on est à la cour d'écouter, prenez ce moment. Souvent on vient ici le soir, si venez du verre et 15h, on passe. On écoute prêcher. Papa, maman, on s'assoit, on écoute. Tout ça pour nous édifier. Souvent même papa dit moi, prêcher, dis-moi, je vais t'écouter pour m'édifier moi-même. Parce que je vais t'écouter toi aussi. Parce que ça me fait du pied. Alléluia. Souvent on dit non, moi-même, quand une personne qui saute, mais quand tu ne vas pas gagner, il saute, il ne vient plus au pied du soir. Il ne vient plus au pied du dimanche, c'est un vrai jour. Ils ont mis le travail devant, mais quand tu regardes la gagner, là, pourquoi il est. Parce que tu n'es pas attaché à Jésus. Voilà, faut pas qu'on m'aimait Jésus. Si tu n'es pas attaché à Jésus, comme on est dit en là, où est-ce que tu n'as pas qu'on m'aimait Jésus. Tu vas beaucoup travailler, mais tu n'as pas eu son. On a tout le monde. Mais si tu es attaché à Jésus, la voisine, tu vas donner même des sorciers pour te faire du bien. On a tout le monde. Tu vas donner même des paniers, on te dit que tu es en peur parce qu'on n'est pas attaché à Jésus. Et qui est le même cas? C'est moi Jésus derrière. On va me boire. Hein? Qui est mon pays là? Ah, y'a oui, papa. Qui est mon pays? Il y a un grand envoyé 50 de combien. Il y a un petit moment où il y a un grand envoyé. Il y a un petit moment où il y a un grand envoyé. Il y a un petit moment où il y a un grand envoyé.
Quand tu n'es pas dans ça, tu dis qu'il y a un volet, tu dis que Jésus faut te mettre derrière. De mon travail, de ma vie de prière, de tout ce que j'ai. Derrière Jésus. Moi je vais marcher. Il y a un montant. Hein? Quelqu'un n'a pas de l'Israël. Mets ta main. Le but maintenant, c'est quelqu'un qui est pas qui ne veut pas te dénoncer. C'est un gros bras. C'est pas quelqu'un qui vient. Comme on a dit du mal de Satan. L'événement de Jésus là. Est-ce que personne ne va là? Ne pas grave pour aller chez toi là-bas. Quand le prochain va tomber. Le prochain va tomber. C'est comme ça l'image du chrétien. C'est comme ça l'image du chrétien. Quand tu n'es pas attaché à Jésus. Et tu as une force en vous de la lutte. La misère. La souffrance. Amen.
Ils sont les apôtres devant Joseph. Ouais, mais à deuxième tournée,
Quelqu'un est son pendif. Il y a son cause. Elle devenait un chef. Loin de son pays. La combat. Il n'a même pas la nationalité égyptienne. Yeah. Loin de son pays. Mais je dis, c'est pas quand tu es Ivoirien que Dieu va te bénir. Là où tu es en Amérique, pas parce que tu es Ivoirien. Parce qu'il y a un tout puissant qui marche avec toi. Et il va accorder la bénédiction. Le bénir au nom de Jésus. Un pays étranger lui devient premier ministre. Et ça va faire. Que ça tâche à ta vie. Cette année nous prenons l'année de notre dimension. Je déclare les méchants, ceux qui sont moqués de toi.